Avant mon arrivée en Europe, je n'avais jamais vu un avion de mes yeux. Tout là-haut, ils tournoyaient comme des vols d'oiseaux qui dansaient. Le prestige entourait les pilotes, ces nouveaux duellistes du ciel. Mais en réalité, la plupart de ces hommes courageux finiraient leur vie dans les pas fumantes de leurs machines. Mais j'ai plus rien à miser, là. Abruti. L'avion. Bien sûr. Après tout, qu'est-ce que je risque, hein? Je vais te plumer, de toute façon. Que tu crois? T'as quoi à me montrer? Tu peux ramasser tes dents, Blackburn. Ce coup-ci, j'aurais dû t'avoir. Tu sais quoi, cet avion, je vais quand même le prendre. Mais qu'est-ce que tu... Putain, c'est quoi ça? T'as perdu, je t'ai battu! Ouais, je sais, mais le truc, Rackham, c'est que c'est vraiment un putain de bel engin et... Avec toi, t'es une sacrée raclure. Hé, hey, je t'ai battu dans les règles, t'as pigé? Je t'ai interdit de poser tes sales pattes dessus! Enfoiré de mes deux! T'as pas le droit de me faire ça, je t'ai battu! Je t'ai fait mordre la poussière! Je m'appelle Clyde Blackburn. Je suis pilote et plutôt gros joueur. Je suis tiante, Rackham! Je sais pas qui t'as à faire, espèce de connard! T'as pas intérêt à toucher à mon avion, t'as compris? Quand on me demande quel est mon plus gros défaut, je réponds que... je ne suis pas quelqu'un de tout à fait honnête. Bienvenue à bord! Moi, c'est Wilson, mon nom, et tu dois être George Rackham! Ouais, c'est moi, Rackham, ton pilote. Fais décoller cette beauté. Donc t'es George Rackham, le fils du quatrième comte de Windsor? C'est ça. Lui-même, vieille branche. Le Bristol était aussi efficace qu'on le disait. Un vrai plaisir à piloter. Le soleil brillait. Tout aurait été parfait si j'avais été seul à bord. Hé, hey, derrière! C'est une belle journée pour un pique-nique, tu ne trouves pas? D'accord. Tu vois cet avion devant? Il faut que tu le rattrapes. Ouais, ouais. Écoute, je connais un endroit où on pourrait se dégoter des petites françaises. Pourquoi tu me parles de filles? C'est un vol d'essai. Tu dois suivre le trajet que cet avion trace pour toi. D'accord. C'est toi le chef. Apparemment.
plus au combat. La sûreté est mise, au cas où t'aurais des idées tordues. Tu commences à me connaître ? Tant mieux. Voyons ce qu'il sait faire d'autre. Reste sur lui. Ouvre grand les gaz et reste sur lui. Je m'amuse bien. Et toi, tu t'amuses, Wingnut ? C'est Wilson ! Fais attention, regarde devant toi ! Voyons comment il se débrouille au combat. La sûreté est mise, au cas où t'aurais des idées tordues. Tu commences à me connaître ? Tant mieux. Ne laisse pas nous semer ! Voyons ce qu'il sait faire d'autre. Reste sur lui ! Le pistol se comporte comme tous les avions. Réduire les gaz permet de tirer plus serré. Je m'amuse bien. Et toi, tu t'amuses, Wingnut ? C'est Wilson. Mais fais attention, regarde devant toi. Jette ce maudit manuel et vis un peu. Où est-ce qu'il va maintenant ? Laisse-le ! Tu vois, c'est pas lancible ? Vérification d'armement, feu à volonté ! Ça, je peux faire. Ouais, c'est un sacré coucou ! Il reste les ballons ! Approche-toi et tire ! Entendu.
cibles sur le sol. Ouais, je les vois. Essaie de leur envoyer des roquettes pour te faire une idée du tir sur des cibles au sol. Poser une question. Bien sûr. Pourquoi George Rackham, fils du quatrième comte de Windsor, parle-t-il comme un Américain? J'attrape facilement les accents. Je parlerai probablement comme un Français une fois les Allemands battus. Je vois. Tu es quelqu'un de très méfiant, Wilson. On ne te l'a jamais dit? Nom de Dieu! Les Boches, on fait quoi? À ton avis? On les envoie dans le décor. Arrête de voler en ligne droite! Essaie de se placer derrière nous!
qu'il tourne. On dirait qu'il n'en reste qu'un. Prêt avant nous. Tu peux répéter ça? C'était le moteur. Il n'a pas pu apprécier de se faire cravacher. Répare ce que tu pourras depuis l'avant. Je les vois! Accroche-toi à ton petit déjeuner!
C'est comme ça qu'on a découvert accidentellement où les Allemands entreposaient leurs munitions pour la moitié du front ouest. Et les photos de Wilson allaient aider le QG à préparer un assaut d'ampleur. Avec juste un léger souci. Ça, j'en suis pas si sûr. C'est bon, je te dis. On a fait un super coup. Ça vaut bien une médaille. On n'était pas censé survoler cette zone. Quand le commandant verra ces photos, il sera bien content. C'était un coup de maître. Et on peut le refaire. On va passer un marché. Si tu veux que je ferme ma gueule, alors tu dois me faire la promesse que tu me ramèneras en un seul morceau. Ouais, compte sur moi. Jure-le. Je veux ta parole. D'accord, c'est promis. Toi, tu restes ici. Et tiens-toi tranquille, bon Dieu. Entrez. Bon, je l'aimais bien, ce type. Mais il était un peu naïf. Monsieur, je pense que ceci vaut le coup d'œil. Bonté divine, vous devez avoir un sacré pilote. Un sacré pilote. Nous avons presque aussitôt repris l'air. Notre mission consistait à ouvrir la voie aux bombardiers, pour qu'ils puissent détruire cette forteresse. Avant tout, il faudrait détruire ce barrage de dirigeables. Bon sang. Je plaignais presque les observateurs Bosch. Ensuite, il faudrait s'occuper des camions de DCA. L'assaut battait déjà son plein à notre arrivée. Il allait falloir s'occuper de toutes ses défenses, puis escorter nos bombardiers jusqu'à la cible, quand ils approcheraient. Une mission difficile, mais une victoire ici changerait le cours de la guerre. D'après les chefs. Une situation qui n'enchantait pas Wilson. Maintenant qu'on est dans l'action, ça a vraiment l'air dangereux. Fais-moi confiance. Allez, boucle quand même ta ceinture. Là-bas, c'est le dirigeable. Il faut ouvrir la voie à nos bombardiers. C'est facile. Surveille mes arrières. On en a un en face. De bois ? Bien ! En voilà un qui ne vous ennuiera plus !
Il en arrive un derrière nous! Fais quelque chose!
L'avion était détruit. Il s'était écrasé dans le No Man's Land à un peu moins d'un kilomètre de l'endroit où j'avais été abattu. Wilson, le pauvre, y était resté. Triste pour lui, mais j'avais des problèmes plus urgents. Je dois dire que j'avais l'habitude de me déplacer discrètement. Les bars et leurs portes de derrière, les fenêtres de domicile conjugaux. Pas besoin de rentrer dans les détails. Après avoir éliminé ces Allemands, j'ai tiré profit de mes talents et je suis parti vers l'ouest. Aussi discret qu'un chat de gouttière. Entre les lignes britanniques et moi, il y avait des tranchées allemandes, des canons allemands. Ah, et la moitié de la population de Berlin qui cherchait à nous faire la peau. Laisse-moi se passer.
Mon jour de chance. Les Britanniques devaient prendre le thé avec des scones au lieu de pilonner les Allemands. Mais il fallait que je franchisse les lignes avant que ces canons ne se remettent à tonner. Sag dir was, nur weil ich das Beste für unser Land will, bestraft mich der Hauptmann ständig. Was ist daran falsch, hä? Stick here.
konzentrier dich auf deinen Posten! Verdammter Hauptmann! Gib immer mir die Scheißarbeit! Oh, scheiße, ist das kalt. Ces tranchées étaient remplies de soldats d'élite du Kaiser. Avec un peu de chance, ils s'attendraient à des ennuis venant d'en face. Avec de la chance. Den dein Geschwätz interessiert. Ich kann es nämlich nicht mehr hören. Hast du was gesehen? Sehe ich aus, als würde mich das interessieren? Mann!
Oh, mein Magen. Ich will deine Hände sehen! La dizaine de mitrailleuses que j'avais derrière moi m'incitait à me faire tout petit. Le No Man's Land était un labyrinthe de barbelés, de cadavres et de décombres. Mais j'ai tenu le cap coûte que coûte. Est-ce qu'il reste quelque chose d'utile dans l'épave ? Crever sans rien faire!
c'est l'heure de jouer carte sur table, Blackburn. T'es pas George Rackham, pas vrai? Le fils du comte de Windsor, mon œil! Tu croyais que j'étais con à ce point-là? Allez, on se tire d'ici. Il perdait beaucoup de sang. Il n'en restait pas beaucoup de temps pour le ramener en vie. Dieu tout-puissant. Les Allemands n'ont pas l'habitude d'abandonner une proie. Les Allemands... Tu vois. Les gars vont nous prendre, on débauche. Évite ces projecteurs. Chez nous. On a réussi. Wilson m'a traité de bon à rien de menteur, et d'autres noms d'oiseaux. Si je l'ai ramené,
c'est parce qu'il a probablement raison. Et le fait qu'il ait raison me débecte au plus haut point. Il l'a porté à travers le No Man's Land ? Ce type est un vrai héros ! Il n'a strictement rien d'un héros. C'est un tricheur, un voleur et un menteur. Et il devra répondre de ses crimes. Eh oui, Blackburn. Alors, on t'envoie te mettre au vert ? Je vais témoigner pour toi, tu sais, au conseil de guerre. Ça pourra peut-être t'aider. J'en doute, mais... merci. Il me faut un mitrailleur ! Wilson, moi ! Je veux aider ! Rackham, je peux le faire ! T'as rien à foutre dans les airs ! Wilson ! Si je dois crever, je veux que ce soit là-haut. Amène-toi ! On part tous les deux ! T'es sûr que tu veux pas passer ton tour ? Pas de question ! Ouais, putain de médaille ! Bon, je suis prêt ! Je creverai ici. Oh, toi et ta grande gueule, Blackburn.
Ça va aller? Ouais, c'est... Faut avoir canon anti-aérien. D'accord. Tu surveilles tes arrières. D'accord. Faut grimper là-haut. Regarde pas en bas. D'accord. D'accord. Mon Dieu. Regarde pas en bas. Faut avoir canon anti-aérien. C'est de la folie. Ce canon est en train de faire des ravages chez nos gars. Il faut s'en emparer. Je vois pas bien. Droit devant. Wouhou. Attention. Il nous tire dessus de tous les côtés. Je peux pas rester ici. Je le vois. Il est là-bas. C'est lui. Merde. Ça va. Trouve le moyen de remonter. Je vais du côté du canon de flak. D'accord, je m'en occupe. Bon sang. Les Allemands qui sont à bord de cette baudruche vont t'entendre. Thank you.
mon histoire. Celle d'un pur égoïste qui a risqué sa peau pour sauver quelqu'un d'autre. Et qui a trouvé le salut par la même occasion. Mais en temps de guerre, les faits se mélangent un peu et vous entendrez sûrement d'autres versions. Un pilote qui a volé un avion, qui a buté son pote, et qui a menti, triché et massacré sur la moitié du front occidental. Tout ça pour échapper au conseil de guerre dans le chaos d'un raid aérien. Mais n'écoute pas toutes ces rumeurs. Ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Si c'était des bobards, je te raconterais pas tout ça. Pas vrai ?